céu se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz, em paz. E quanto mais melhor você, sol de verão que faz chover, som da maré. Tout va bien se passer, monsieur Schneider. Vous allez vous en sortir, soyez tranquille. Il y a de l'eau qui est rentrée dans ses poumons, il faut que nous agissions il rapidement. Il avalait un peu d'eau, il est presque noyé. Calme, les gars, il faut faire attention en le transportant. Allons-y, allez, allez. Qu'il va survivre. Ouais, il est hors de danger. Bien joué, équipe Alpha. Bien joué. Merci. Oui, oui, Isabelle, tu peux parler. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Ils ont retrouvé papa. Ah, merci, bon Dieu. Il est en vie. Ah, comment va-t-il? Comment va-t-il? Je sais pas. Ah, mais comment il va? Est-ce qu'il rentre à la maison? Quoi? Les lieutenants et Cassiano lui ont sauvé la vie, maman, mais c'était moi une. Comment, quoi? Il s'est passé quelque chose? Et c'est grave? Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Est-ce qu'il est blessé? Non, maman, il est pas blessé, mais il a failli mourir noyé. Ah, Dieu du ciel, mon Dieu! Non, non, continue, Isabelle. Oui, je connais l'hôpital, je sais où il est, je sais... Il est pas loin, si tu veux, quoi, je peux te prendre. L'hôpital, ma chérie? Non, tout va bien, j'arrive tout de suite. Ciao. Comment va-t-il? Comment va-t-il? Je sais pas, Isabelle n'a pas su m'expliquer. Juste qu'on l'emmène à l'hôpital et il faut qu'on y aille tout de suite. Alors allons-y, ma chérie. Prends les clés de la voiture. Viens. Viens, on y va. Vous ne pouvez pas entrer ici, monsieur. Prenez bien soin de lui, s'il vous plaît. Allons-y, allez. Allô? Passe-moi Helios, d'accord, gamine? C'est Arruda, l'appareil. Oui, monsieur Da Silva ne peut pas vous répondre pour l'instant. Voulez-vous laisser un message? Mais quel goujat! Qu'est-ce qu'il y a, Katia? C'est ce gros monsieur qui est venu l'autre jour parler à Helios. Et maintenant, en plus d'être goujat, il est grossier. Ne t'en fais pas, je vais lui parler. Allô? Oui, c'est Yvette à l'appareil, la secrétaire de direction. Voulez-vous me faire part de l'information que vous comptez donner à Helios? Ce n'est pas avec toi que je veux traiter, Yvette. C'est avec lui, pigé? Et il sait très bien de quoi je veux lui parler. Mets-moi Helios au bout du fil. C'est d'accord, juste une minute, cher monsieur. Helios? On a un certain Arruda au téléphone. Je crois que je me dois cependant de t'avertir. Non, je vais prendre l'appel. Tu peux sortir et fermer la porte. C'est bon, sort, Yvette. Arruda, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, le vieux est mort. Et ne crois surtout pas que ça a été facile. L'armée m'est tombée dessus, tu imagines?
Oui, bien sûr, j'ai réussi à semer les hommes. Et personne n'est arrivé à sauver le pauvre bonhomme. Et mon contrat est donc rempli. Maintenant, je veux ce qui me revient, d'accord? Et je vais venir chercher l'autre moitié, Helios. Non, 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 pas ici, pas ici. Je te rappelle pour confirmer un autre lieu. Attention, Helios. Tu n'as pas intérêt à faire de bêtises. Je te fais confiance. Et il vaut mieux qu'on règle ça rapidement. Parce que je ne peux pas rester trop longtemps dans la zone, d'accord? Bien. Un appel pour Alberto? Non, non. Ce n'était personne. Cette ligne nous joue de drôles de tours depuis hier. Katia, je vais sortir. Je ne sais pas si je vais revenir. Si Alberto a besoin de moi, qu'il m'appelle sur le portable, hein? Oui, c'est d'accord. Esther, mon amour. Comment va-t-il, Cassiano, hein? Il y a des nouvelles, pour l'amour de Dieu, ne cache rien. Il est détendu et il va bien. Il est avec l'équipe médicale. Il reçoit les soins nécessaires, tout est sous contrôle. Où est-il? Il a été reçu aux urgences? Il est en soins intensifs. Mais enfin, pourquoi? Du calme, c'est la procédure normale. Oui, et dans son cas, ça a été plus que nécessaire. Il a un risque d'y rester, Cassiano? Non, non, Esther. Quand il s'agit d'un patient qui souffre d'hypothermie et qui a aussi aspiré de l'eau... Je vais le tuer, ce Dionysio, je vais le tuer. Dis-moi, Cassiano, est-ce qu'il risque de mourir? Ce que les médecins ont dit, c'est que pour son âge, ayant souffert d'hypothermie, après avoir passé autant de temps sous l'eau gelée... Oh non, mon Dieu. Bon, il va s'en sortir. Il ne va pas mourir, faites-moi confiance. Les médecins ont dit qu'il valait mieux qu'il passe par les soins intensifs pour le surveiller, pour qu'il puisse contrôler la température de M. Schneider, et pour qu'il puisse lui administrer un sédatif. Et aussi pour vérifier si ce temps qu'il a passé dans l'eau n'a pas endommagé les poumons. Vous me suivez? Si l'eau n'est pas trop rentrée dans les poumons. Mais pourquoi lui avoir administré un sédatif, Cassiano? Parce qu'il était très agité, Madame Schneider. Mon Dieu. Mais alors, les médecins n'ont pas dit s'il allait survivre, n'est-ce pas? Mon amour, ils vont faire tout leur possible, crois-moi. Il est entre bonnes mains. Il va survivre, moi j'ai la certitude qu'il va survivre. Bien sûr que oui. Il dit toujours que les enfants de l'Holocauste ont du sang de survivants dans les veines, alors il va survivre. Calme, maman. Puisqu'il a survécu à tout ce qui s'est passé quand l'Europe était aux mains des nazis, il va survivre à ça maintenant. Tu vas survivre, n'est-ce pas, Samuel? Tu ne serais pas capable de me laisser de cette façon, n'est-ce pas, mon amour? Évidemment qu'il va survivre, Madame Schneider. Monsieur Schneider est un costaud, madame. Oui, très costaud. Le pire est passé, vous allez voir. Les lieutenants m'ont raconté ce qui s'est passé, Cassiano. Sans toi, mon père serait certainement déjà mort. Merci mille fois. Ce n'est pas grand-chose, mon amour. Ton père va très vite s'en sortir et bientôt nous le célébrerons. Et nous mettrons les responsables de ces brutalités sous les verrous. Et même si c'est la dernière chose que je fais dans ce monde-ci, celui qui a fait ça à ton père va payer. Oui, je t'en donne ma parole. Tu es toujours foré ici, hein? Bonjour à toi aussi, ma petite Zouzou. Monsieur Albuquerque est là? Dans son bureau. Et comment est-ce qu'il va? Il va bien? Est-ce qu'il est nerveux? Bah, comme d'habitude. On dirait qu'il a avalé une bombe, toujours sur le point d'exploser. La nouvelle que je viens lui apporter va le mettre de bonne humeur. Et quelle nouvelle? Ça titille ta curiosité, n'est-ce pas, Zouzou? Ça finira mal. Entre, Helios. Entre et ferme la porte. Monsieur Albuquerque, j'imagine que vous voulez savoir comment s'est passée l'opération menée par Arruda. Et comment s'est passée cette opération? Est-ce que c'est un succès? Oui, un succès total. Il me reste donc qu'à te féliciter, monsieur le vice-président de ces opérations. Vice-président? Du groupe Albuquerque, oui, évidemment. Tu es un garçon impassible et tu es courageux, tu oses tout. Tu es déterminé, Helios. Tu sais pertinemment ce que tu veux et tu ne te laisses jamais abattre. Tu n'as pas peur. Et puis tu m'obéis. Dans un monde comme celui-ci où prédomine le chaos, une personne aussi loyale que toi, Helios, qui obéit aveuglément à tous mes ordres, mérite d'être récompensée. Eh bien...
Merci, monsieur Albuquerque. Je croyais que vous plaisantiez quand vous m'aviez promis la vice-présidence de l'entreprise. Moi plaisanter? Non, Helios. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter avec des choses aussi sérieuses. Tu as rempli ta part, tu as fait ce que je t'ai demandé. Tu mérites de recevoir ton prix. Mon prix? Oui, exactement. Tu sais, quand on dresse un petit chien qu'on a adopté, le maître lui demande d'exécuter une tâche. En échange, il reçoit une petite friandise. Eh bien, tu viens de mériter ta petite friandise pour une tâche bien menée. Eh bien, monsieur Albuquerque, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Il ne me reste qu'à vous remercier. Au fait, Alberto... Oh, ça tombe bien que tu me mentionnes le nom de mon petit-fils Alberto. Est-ce que tu aimes son bureau? À partir de maintenant, eh bien, cet espace est à toi. Monsieur le vice-président du groupe Albuquerque. Dans ce cas, mon garçon, qu'est-ce que tu attends encore ici? Retourne au bureau, assume ton nouveau poste, il faut te retrousser les manches. Et travailler, mon garçon. Vous êtes en train de me dire que je peux y aller maintenant, à l'entreprise? Et commencer? Tu peux, non, tu dois. Et avec mon aval, je suis en train de préparer un petit message à l'attention de tous les actionnaires, pour les informer de la nouvelle. Eh bien, monsieur Albuquerque, je ne sais pas comment vous remercier. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que vous n'allez pas regretter d'avoir pris cette décision. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, Helios, tu le mérites amplement. Fais simplement attention à ce que ces nouveaux pouvoirs ne te monte pas trop facilement à la tête. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Jamais. J'espère que non, mon garçon. Bon, prends cette valise qui est ici et emmène-la avec toi. C'est bien ce que je crois. C'est en effet ce que tu es venu chercher. La partie restante du paiement, comme ça, on se débarrasse vite d'Arruda. Je ne veux plus voir la tête de ce type rôder dans les parages parce que c'est très dangereux. Et en plus, un soir, il pourrait boire de trop et parler plus qu'il ne devrait. Non, vous pouvez être rassuré, il s'en ira avec le paiement. Je peux? Et à quoi est-ce qu'on doit ce sourire-là? Pourquoi tu fais cette tête? Que s'est-il passé? Oh, tu es sourd, je suis en train de te parler. Tu es malade, qu'est-ce qu'il te prend? Adieu, Zouzou. Adieu. Tu es cinglé. Ma boucle d'oreille, elle est tombée. Il est cinglé. And now you stare at the sun. Est-ce que c'est vrai, mon amour? Bien sûr. Je ne t'avais pas dit que le mariage était une chose sérieuse. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Est-ce que c'est vrai que nous allons nous décider d'une date pour le mariage? Oui, c'est sérieux. Et ça, dès que possible. Ce n'est pas ce que tu voulais? Je voudrais une fête belle et toute simple. Oui, comme tu l'as si bien dit, à la mesure de nos moyens. Et avec beaucoup de musique, parce que je souhaite que tout le monde danse. Bon, dans ce cas, il faut commencer à se pencher dessus. Hein. C'est vrai, il y a énormément de choses à prévoir. Bien sûr. La liste des invités, l'endroit où aura lieu la fête, et ce que nous allons y faire. Ouais, je suis d'accord. La célébration, comment est-ce qu'on va faire? Je pensais également à la célébration, mon amour. Et je me suis dit que mon père pourrait la faire. C'est vrai, comme ça ne peut pas être à l'église, ça pourrait être une simple bénédiction. Ça me paraît une excellente idée. Je sais que Quirino va nous faire ça extrêmement bien. Il y a autre chose à laquelle j'ai beaucoup pensé, Giuliano, le buffet. Que dirais-tu si nous n'offrions aux invités que des spécialités locales? C'est pas mal. Typiques de la région, des choses en petites portions, tu vois, tout petit comme ça. Madame da Silva, mon amour. Madame da Silva peut aisément se charger de ça. Moi aussi, j'avais déjà pensé à elle pour qu'elle s'occupe du repas de cette journée. Ça m'étonne pas. Et ta maman, elle aurait pu s'occuper des gâteaux. Mais maintenant, je ne sais pas.
Ouais. Ce serait merveilleux que mon père s'occupe de la bénédiction. Et que ma mère s'occupe de tout le reste. Bon. Et les invités, mon amour. J'ai déjà commencé à faire ma liste, tu devrais faire la tienne. Maintenant, avant de commencer toute autre chose, ce qu'il faut résoudre à tout prix, c'est la date du mariage. La date du mariage. Alors, j'étais en train de me dire que si on a du temps, ça me ferait plaisir que ce soit avant l'accouchement, tu ne crois pas? Ouais. Est-ce que tu m'imagines avec ma robe de mariée et mon ventre rond? Ah, Dieu du ciel, j'en reviens pas. Regarde dans quel état tu vas, mais j'en ai la chair. Tu ne vas pas pleurer quand même. Moi aussi, je t'aime. Je viens d'être informé, lieutenant. Succès total pour le sauvetage de Samuel Schneider. Mes compliments. Tu feras passer le message à toute l'équipe Alpha, et également à Cassiano. Je transmettrai, commandant. Tout s'est passé parfaitement bien. À vrai dire, je ne suis pas venu vous voir pour vous parler de ce sauvetage. Bon, j'aimerais vous demander à être transféré de la base de Parnamirim. Qu'est-ce que tu dis? Je veux être transféré de cette base vers une autre ville. Être transféré vers une autre ville? Mais pourquoi, lieutenant? Il faut que je m'en aille d'ici, commandant, c'est juste ça. Très bien, est-ce que tu sais dans quelle ville tu vas être transféré? N'importe où. Il faut juste que ce soit rapide. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça peut se faire? Isabelle, j'avoue que sur cette affaire, tu me prends complètement de court. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu aurais quitté Natal. Et pu quitter l'équipe Alpha. Est-ce que vous pouvez démarrer les modalités du transfert? Oui, bien sûr, je peux. N'importe quelle base qui aurait un poste pour moi. Isabelle, tu ne veux pas y réfléchir? Réfléchir plus à un endroit où tu serais apprécié à ta juste valeur? Non, commandant, ça ne ferait absolument aucune différence. Plus tôt je pourrais partir d'ici, mieux ce sera. Autorisation de me retirer? Tu peux y aller. M'occuper du buffet, ah, ce sera un honneur pour moi. Témoin de mariage et cuisinière officielle de la fête. Que demander d'autre? Je t'avais dit que ça allait lui faire plaisir. Bibiana, tu sais à quoi j'ai pensé? À ce qu'on serve uniquement des spécialités qui soient bien de la région. Et de toutes petites portions, tu vois le genre. Ah. Des petits hors-d'œuvre et puis des petites soupes. Le truc blanc du tapioca. Bon, je te dis simplement ce qui me vient à l'esprit, hein. Je suis sûre que toi, tu as 1000 autres idées à nous donner. Très bien, dans ce cas, en plus de servir des hors-d'œuvre simples, nous pouvons en servir au crabe ou à la banane rôtie. Ça peut être aussi également des soupes de haricots, des soupes de moules, des soupes de patates douces, des soupes de poulet ou des soupes de crabe vert. Ou aussi délicieux. Des beignets de viande sèche ou des pâtés de viande ou alors une soupe de coquillage. Arrête, parce que j'en ai déjà l'eau à la bouche. T'as vu, elle a ses envies de femme enceinte, ma petite femme. Tu sais ce que tu veux pour que j'aille le chercher. Très bien, maintenant, le plus important, c'est de connaître le nombre d'invités. J'ai pas encore fait ma liste, non. Moi, j'ai commencé à faire la mienne, mais chaque jour, je rajoute un nouvel invité. Mais c'est la première chose à faire. Et suivant le nombre d'invités, je calculerai la taille de ce banquet. Je te promets qu'à la fin de la semaine, cette liste sera enfin prête. Mais je veux savoir une chose. J'aimerais avoir en gros le devis, ce que ça coûtera, d'accord? Pour te donner une avance sur la facture. Quelle avance, Natalia? Qui est-ce qui vous parle d'argent? Non, Madame Da Silva, vous allez facturer vos services. Nous voulons un devis. Ne dis pas ça, Giuliano. Donato et moi ne sommes-nous pas tes témoins? Dans ce cas, ce buffet sera notre cadeau de mariage. La nourriture pour la fête. Ah non, Bibiana, mais non. Non, pas de mais. Soyez tranquille en ce qui concerne ce sujet. Bon, par contre, je ne prendrai pas en charge les desserts et les gâteaux parce que c'est du travail et en plus, je n'aurai pas le temps. Par contre, les plats salés, laissez-moi m'en charger. Oh, Madame Da Silva. Merci beaucoup, très cher. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Dans ce cas, ne dis rien. Soyez tout simplement heureux. C'est tout ce que Donato et moi, nous vous souhaitons à tous les deux. Oui, du bonheur. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Yvette, est-ce que tu es au courant? 50 employés ont démissionné. C'est Teresa qui vient de me l'annoncer. Les saliculteurs? Oui, exactement. Ils ont dit qu'ils ne voulaient même pas négocier, ils ont posé leur démission. Point final. Cette histoire est vraiment très bizarre, tu ne trouves pas? Bah oui. Ah, Elio, ça tombe bien que tu arrives. Je viens de déposer des dossiers sur ton bureau pour que tu y jettes un œil. Est-ce qu'Alberto est dans son bureau? Non, il est au Marais Salant résoudre un problème. Il semble que de nombreux employés ont présenté leur démission. Parfait. Bon, toutes les deux, venez avec moi.
Helios, tu sais parfaitement bien qu'Alberto n'aime pas qu'on entre dans son bureau quand il n'est pas là. À partir de maintenant, ce bureau ne sera plus le sien. Je veux que vous installiez un nouveau bureau pour lui là-bas, dans la salle de réunion. Il s'installera là-bas. Oui, mais... Bon, sors d'ici, Helios. Alberto ne va plus tarder. Je veux que vous vous chargiez toutes les deux de retirer tous ces objets personnels, enlever les cadres avec les photos de ses enfants et de son épouse. Et je veux également que vous appeliez un serrurier pour changer les serrures de tous les tiroirs et des armoires. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles, Helios? Je pense que je vais aussi changer la couleur des murs. On va y mettre une teinte patinée, peut-être. Et ces tapis? Il faut changer ces tapis. Ils sont horribles. Bon, Helios, tu ne serais pas en train de perdre la boule. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui se passe ici? Helios, non. Monsieur. Monsieur Da Silva à partir de maintenant. À partir de maintenant? Mais pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, je suis le nouveau vice-président de cette entreprise. Moi, Helios Da Silva, j'ai été nommé aujourd'hui, accrochez-vous bien, vice-président du groupe Albuquerque. Nommé quoi? Helios Da Silva. C'est un grand plaisir de te recevoir dans le bureau du nouveau vice-président. Oui, dans mon bureau. Vice-président, tu as dit? Helios, je vais faire comme si je ne t'avais pas surpris au milieu de cette scène ridicule. Donc profites-en, sors, lève-toi et va-t'en de mon bureau. Quel est ton problème, Alberto? Tu n'as pas entendu ce que je viens juste de dire? Ou bien tu n'en crois simplement pas tes propres yeux? À partir d'aujourd'hui, je suis le tout nouveau vice-président du groupe Albuquerque. Helios, cesse ce toi, petit... Toi, tu la fermes, Yvette! Aujourd'hui même, tu vas recevoir un petit mot de la part de Dionysio Albuquerque, te communiquant qu'à partir de maintenant, le groupe du même nom a un nouveau vice-président et que tu devras suivre directement ses ordres. Mais seulement les siens. Ton grand-père ne t'a rien dit? Bon, il doit certainement avoir d'excellentes raisons. J'imagine que tu dois lui avoir donné d'excellentes raisons pour qu'il agisse de cette façon, mais je n'arrive pas à savoir... Quelles sont ces excellentes raisons? La seule raison valable, Alberto. J'ai les compétences pour occuper ce poste. Ou serait-ce parce qu'il ne fait pas confiance en son propre petit-fils pour gérer tout seul les comptes de l'entreprise? Fais attention à la façon dont tu me parles. Je suis dans mon bureau et je parle comme je veux. Parce que c'est ton bureau, hein? Oui. Je t'ai dit, c'est Monsieur Albuquerque lui-même qui m'a demandé de l'occuper. Surtout, ne t'inquiète pas. Nous allons trouver un autre bureau pour toi, c'est promis. Il est beau, ce bureau. Très lumineux, spacieux, et la chaise est confortable. On dirait un véritable trône. Dans ce cas, nous allons voir. Oui, nous allons voir combien de temps tu vas occuper ce trône. Votre Majesté. Helios, tu veux... Monsieur Da Silva, vous voulez que nous nous chargions de transférer vos affaires dans ce bureau? Non, demain tu t'en chargeras, Katia. Maintenant tu peux sortir. Yvette, toi tu restes avec moi. Alors à demain. Je veux que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire. Et je te charge d'organiser un repas pour célébrer mon nouveau poste. Un repas? Oui. On va faire ça dans un bistrot français qui est à Natal. Eh bien, tu notes rien, pourquoi? Et c'est pour quand? Pour demain. Je ne sais pas si je pourrais trouver des places libres pour demain. Rien n'est impossible pour un haut cadre du groupe Albuquerque. Et combien de personnes? Réserve pour 12. Appelle Jean-Pierre et les deux gérants. Dis-leur bien à tous que le vice-président du groupe Albuquerque donne un repas pour célébrer sa toute dernière conquête. Ah, ensuite il faudra que je te donne le nom des personnes qui y seront invitées. Je veux que tu t'occupes de tout, du transport, de l'hôtel, de tout. Bon, très bien.
Et qui va s'occuper de la note, monsieur Da Silva? L'entreprise, bien sûr. Avec l'autorisation de qui? La mienne, Yvette. Celle du vice-président. Vous désirez autre chose? Non, tu peux sortir. Dehors, Yvette, dehors! Comment va-t-il, docteur? Bon, il y a eu quelques complications à cause de son âge avancé, mais il est hors de danger et il va bientôt être transféré dans une chambre. Oh, merci, mon Dieu. Je suis son épouse, docteur. Je peux entrer? Non, pour le moment, non. Mais dès qu'il sera dans sa chambre, je vous préviendrai et vous pourrez voir votre mari. Soyez tranquille. C'est d'accord, je vais attendre. Je vous laisse, veuillez m'excuser. Merci, docteur. Tout ira bien, mon amour. Oui, je sais. Bien. Ah. Sérieusement, tu n'aurais pas dû faire ça avec moi. Tu n'aurais pas dû faire ça avec moi. Regarde-moi quand je te parle, grand-père. Tu n'aurais jamais dû me trahir comme ça. J'ai toujours été loyal avec toi. J'ai toujours été loyal. Comment veux-tu que je me sente qu'en arrivant à l'entreprise, je vois la tête d'Elios, ce débile d'Elios, assis à mon bureau, en me disant que mon grand-père était passé outre ma position et l'avait promu vice-président de l'entreprise? Tu viens me parler ici de trahison? Tu as l'impression d'avoir été poignardé dans le dos, c'est ça? Alberto, dis-moi, tu te prends pour qui? Jules César? Ou peut-être un autre empereur romain? Pour l'amour de Dieu, je ne suis pas du tout d'humeur. Cesse ton ironie, je te parle sérieusement. Moi aussi, je te parle très sérieusement. C'est évident que tu n'es aucun de ces fabuleux empereurs romains. Mais notre entreprise, le groupe Albuquerque, c'est un empire, oui. Oui, un empire, et il doit être dirigé comme tel. Si j'ai promu Elios, ce n'est pas parce que j'ai voulu te faire du mal. Blesser ton amour-propre. Si j'ai promu Elios, ce n'est pas en pensant à toi, mais à ce qui est le meilleur pour l'entreprise. Deux têtes chercheuses pensent toujours mieux qu'une seule. Tu as voulu me faire tomber dans un piège. Je ne sais pas pourquoi, mais tu l'as fait. Tu devrais savoir, je n'ai pas besoin de vice-président. Je possède les compétences pour administrer le groupe. Ce n'est certainement pas ce que montrent les derniers chiffres. Ah oui, c'est donc ça. Bien sûr, c'est ça, tous les deux, vous avez préparé votre coup. C'est pour ça que vous aviez ces conversations, derrière des portes fermées, c'est ça? Arrête ta grande scène du 3, tu es toujours à la présidence de l'entreprise. Si j'ai promu Elios, c'est premièrement parce que j'ai confiance en ses nombreuses compétences, deuxièmement parce que je crois que deux têtes, comme je te l'ai dit, pensent beaucoup mieux qu'une toute seule. Et troisièmement, eh bien c'est en remerciement pour un service gracieusement rendu. Quel service t'a rendu Elios pour mériter la vice-présidence? Il vaut mieux que tu ne le saches pas, Alberto. Pour que tu ne te compromettes pas. Malgré tes accès de colère, tu continues d'être mon petit-fils chéri et je ne veux pas t'exposer. M'exposer à quoi? De quoi est-ce que tu parles? Et qu'est-ce qu'Elios a fait pour toi, hein? Écoute, tais-toi, Alberto, tais-toi. Maintenant, rends-moi mon journal, tu veux? Et va dans ta chambre pour pleurer, frapper contre les murs, comme ce que tu faisais quand tu étais petit, quand on t'avait puni. Le journal, s'il te plaît. Alberto, le journal! Allô, Eric? C'est moi. Tu peux passer au bureau demain? Parfait, dans ce cas, passe à la première heure, hein? Ah, je vais avoir besoin du meilleur avocat du monde pour faire aboutir quelque chose. Je sais que tu l'es, je sais. Ne t'inquiète pas, parce que demain, tu sauras de quoi il s'agit. Alberto, qu'est-ce que tu as? Pas maintenant, Guillaume. Que s'est-il passé? Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mais ça va arriver.
L'état de grand-père s'aggrave chaque jour. Il perd la tête, il devient de plus en plus sénile. Il n'est plus en mesure d'assurer son poste. Tu veux savoir ce qui va se passer? Je vais demander à ce qu'il soit interné. Je vais faire enfermer le vieux avant qu'il n'en finisse avec tout ce que nous possédons. Preciso te amar. Tô pedindo então cuida de mim. Cuida de mim. Madame Schneider, on va chercher des cafés et manger un bout. Vous n'avez rien mangé depuis qu'on est arrivé. Vas-y, maman. Va avec lui, va manger un morceau. Nous y allons aussi, Madame Schneider. Venez. D'accord. Merci, Siro. Il y a si longtemps que je rêve de voir cette grande table avec toute la famille qui mange ensemble réunie. Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. Et mon cœur est plein de gratitude envers le Seigneur pour nous avoir ramené votre mère à vous, mes enfants. Et oui, ma petite fille. Ma petite Maria Adelia. Moi aussi, je suis très reconnaissante d'être à la maison en compagnie des miens. Et maman, si tu me le permets, j'aimerais faire une petite prière. Est-ce que je peux? Bien sûr. Fais-la, fais-la, oui, oui. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour cette nourriture. Je te rends grâce aussi, Père Céleste, Père Aimant, pour cette famille en or que je n'ai jamais eue à mes côtés, à qui je n'ai pas donné d'amour. Et qui jamais, pas même un seul jour, n'a cessé de me chercher, animé par la foi et animé par l'espérance de me retrouver. C'est grâce à cette foi et à cette espérance-là que je suis ici, attablée et assise avec les miens, heureuse, épanouie, comme si cette table à manger était le règne des cieux, mais ici sur la terre. Au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu me passes le jus de fruits. Nous allons manger. Je te sers. Passe-moi le ragoût d'avoir cessé. J'en veux une bonne assiette. Voilà. Bonsoir. Salut Mila. Ça va? Tout va bien? Tout va bien. Je viens chercher ta mère. Elle va descendre, assieds-toi. Merci. Ce soir, on va chez mon père. On veut demander à mon père, eh bien, de célébrer notre cérémonie. Enfin, de célébrer. Je devrais dire nous donner une bénédiction, quelques prières. Je comprends. Ma mère ressemble à une adolescente. Elle est sur un nuage. Il semble qu'elle ait rencontré le prince charmant. C'est pas une adolescente, non? Et moi, je ne suis pas un prince, et encore moins un prince charmant. C'est juste une femme qui est très heureuse d'avoir rencontré un type comme moi qui est complètement fou d'elle. C'est mignon, mais pas la peine de me tenir ce discours. J'ai déjà acheté votre histoire. D'accord. C'est bon, je descends. La mariée. Salut, chérie. Maman. Qu'est-ce que tu es belle. Tout va bien. Je suis en retard. Non, t'en fais pas. Emilia m'a de toute manière tenu compagnie. Compagnie qui l'aurait cru, hein. Je plaisante. On y va? Allons-y, on nous attend. J'ai dit à papa de ne pas sortir de la maison et du coup, il est super curieux. Mm-hmm. Au revoir, chérie. Bisous. Bisous. Et puis soyez sage, hein. Oui, et toi aussi, hein. Est-ce que tu crois qu'il suspecte quelque chose? Non, non, rien, parce que... Non. Je lui ai donné aucun... Ah, moment. Très bien. Quoi, votre grand-mère ne vous a rien raconté quand j'étais toute non. petite? Vous voulez être une artiste, ouais? Bah, tu te rends compte? Tu t'en rappelles, maman, hein? Quand ouais. le cirque des rhinos est venu ici. Oui, oui, je m'en rappelle, bien sûr. J'ai même failli mourir de ah, peur, pourquoi, oui. grand-mère? Qu'est-ce que maman a fait? Elle a fugué avec le cirque, non? Oh, je le savais, je sais, oui, je sais tout. Alors, elle est tombée amoureuse, amoureuse d'un trapéziste, et elle a fugué avec lui, non? Non. Ah, maman, on est pareil, je te jure. Parce que si un cirque passait par ici, j'irais sûrement rencontrer un trapéziste, oui. Oui, avec une grande moustache. Ça y est, elle a perdu la raison, Dada. Je n'ai pas fugué, Dada, je n'ai fugué avec personne, non. Quand le cirque est arrivé, ils ont d'abord monté le chapiteau.
Je suis allée voir le patron et je lui ai demandé de faire de moi une artiste. Eh bien, c'est bien vrai, maman. Tu es devenue artiste de cirque alors? Pour une seule journée, hein, parce que j'ai tellement insisté auprès du patron qu'il m'a finalement laissé faire partie des clowns. Votre grand-père et votre grand-mère, Viridiana, étaient dans le public ce jour-là, quand je suis arrivée sur la piste habillée comme un clown. Ouais. Ils sont presque tombés à la renverse tellement ils étaient surpris. Oui, oui, habillée comme un clown sur la piste. Tellement bien. Ce jour-là, ton papa était tellement fier de toi. Vraiment ? Imaginez combien d'histoires que nous ne connaissons pas, maman va pouvoir nous raconter. Oui, ça va être un énorme plaisir de toutes vous les raconter. Hein. Je veux dire, presque toutes, d'accord ? Je suis simplement triste que tu restes cachée ici, dans le secret. Oh, Lino, ne dis pas ça. Je ne demande rien, Lino. Je dis simplement que je suis triste parce que maman ne peut pas aller dehors pour connaître Ariana. J'ai essayé de lui expliquer... Mais elle n'arrive pas à se faire à l'idée de ne pas la connaître. Elle dit que les humains sont beaucoup trop compliqués. Oui, mon chéri. Ariana a bien raison. Les humains sont plus compliqués que les animaux. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors rencontrer ta chèvre, non? Mais quoi? Mais je peux envoyer une personne à ma place. Ah? Et qui ça? Quelle personne, maman? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas. Tada! Les clowns du cirque sont en ville! La vie de Candido, allons voir Ariana! Oui, je viens! Ma maman est un clown, parce que c'est drôle! Regarde, Candido! Voilà. Tout le monde dehors! Maman, Ariana? Ariana, c'est ma mère! Je veux dire, notre mère! Parce que nous sommes frères et sœurs, toi et moi. Ma maman est aussi la tienne. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est belle, dis-moi, mon petit chéri. Dis, ça ne te dérange pas d'être sa maman, n'est-ce pas? Chut, bien sûr que non. Ça y est, tu as adopté ma chérie, hein, Ariana? Elle dit que tu n'as carrément pas une tête de maman. C'est parce qu'elle est déguisée, Ariana. Je ne te l'ai pas dit qu'elle vivait cachée ici. Oui, elle est déguisée en clown, mais ça, ce n'est pas un clown, non. Écoute, écoute-moi. C'est un secret, hein? Ça fait du bien de pouvoir mettre son nez un peu dehors. Cet endroit m'a tellement manqué, tu sais, Candido. Je jouais beaucoup ici, toute petite. Viens. Regarde. Je me balançais beaucoup au tronc de cet arbre-là. Et tu sais ce que j'adorais faire? Non. Monter en haut de cet arbre là-bas. Et les nuits de pleine lune, je comptais les étoiles. Ah, moi c'est pareil. Les nuits où je dors pas, je regarde le ciel et les étoiles. En espérant que la soucoupe volante réapparaisse de nouveau et m'emmène dans le ciel une autre fois. La soucoupe. C'est ici qu'elle est descendue et qu'elle nous a amené voir les étoiles. J'ai oublié une partie de l'histoire, mais c'est ici, dans la cour, qu'elle est apparue. Mon chéri, nous devrions rentrer. Hein? Parce que quelqu'un pourrait arriver et... Alors il vaut mieux rentrer. Viens, Candido, viens. À cette heure, il ne vient jamais personne, il n'y a que des animaux. Non, mais ils peuvent me voir. Écoute, oui, viens, viens. Mais viens voilà, ce coup de maman. Maman, écoute, on peut rester dehors. Plus tard, je t'expliquerai. Viens. Oh non. Maman. Oh, Natalia, s'il bonsoir, te plaît. Bonsoir, tu vas bien, Quirino? Salut, Tristan. Tout va bien. On va s'asseoir, on va s'asseoir. Mon Dieu. Ah. Natalia, tu veux un verre? Tu veux un rafraîchissement? Non, Quirino, merci. Giuliano est un peu pressé. Il faut qu'il aille travailler à l'hôtel dans peu de temps. Ah, oui. Bon, papa, tu sais que nous ne pouvons pas nous marier à l'église, non? Natalia ne peut pas, alors nous n'allons faire qu'une union civile, tu vois. Et nous aimerions que toi... Que tu nous fasses une bénédiction. Avec toutes tes croyances, ta foi, tes paroles toujours si sages. Une bénédiction pour célébrer notre union. Moi, fiston. Oui, papa. Toi, je veux que le moment le plus important de ma vie soit célébré par toi, papa. Parce que tu es l'homme le plus important du monde pour moi. C'est toi qui m'as trouvé, non?
qui m'a élevé. Le monsieur qui m'a fait apprécier chaque jour de ma vie. Et qui m'a rendu heureux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah, mon fiston. Un cadeau de Dieu lui-même. Giuliano, tu sais, tu es mon fils. Crois-moi, tu es certainement la chose la plus importante que Dieu m'ait donnée. Oui, c'est toi. Dans ce cas, Quirino, est-ce que tu acceptes ? Quoi, bien sûr que j'accepte. Je ne sais pas si je vais arriver à me contenir lors de la bénédiction pour pas exploser de joie à mon fils. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Oh, mes enfants, je vous aime tellement. Que Dieu vous bénisse gentil, encore et toujours. C'est gentil, je te remercie de tout cœur. Oh, mon fiston. Ce n'est pas une agression au hasard, ça, non. Je suis certaine que c'est l'œuvre de Dionisio Albuquerque, à cause des accusations que Samuel a proférées contre lui. Alberto lui-même a eu un accès de gentillesse et a prévenu Esther de prendre soin des personnes qui étaient autour d'elle parce que son grand-père allait se venger. Mais pourquoi est-ce qu'Alberto a prévenu Esther du danger imminent ? Je ne sais pas. Revanche, Amadeo ! À tous les coups, il s'est fâché avec son grand-père, tu piges ? Mon amour, je veux simplement te présenter mes excuses. T'excuser pour quoi, Cassiano ? Pour ton père. Il est venu à Natal à cause de moi. C'est moi qui lui ai demandé d'amener la tourmaline pour qu'il fasse des tests. Je voulais que les lieutenants l'accompagnent, mais lui, il n'a pas voulu. Il a préféré y aller tout seul. Il a fini par se faire attaquer et je me sens coupable de tout ça. Tu n'es coupable de rien, Cassiano. Je suis certaine que mon père n'a pas été attaqué au hasard. C'est Monsieur Albuquerque. C'est lui qui est responsable de cette attaque. C'est pas un voleur de pierres précieuses. Comment est-ce que tu peux être certaine de ça ? Qu'est-ce que tu sais que je ne sais Alberto pas ? Alberto a essayé de me prévenir. Il a dit que son grand-père préparait quelque chose, qu'il avait quelque chose en tête. Quoi ? Alberto t'aurait prévenu ? Comment ça s'est passé ? Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, mais quand il m'a dit... Je t'ai protégé autant que j'ai pu. Et jamais je n'ai raconté à grand-père que c'était toi qui avais averti la police pour le bunker. Je n'ai rien dit, mais il le sait. Alors prends garde à toi. Fais attention parce que quelqu'un va souffrir des conséquences de ton héroïsme. Qu'est-ce que ton grand-père fabrique, Alberto ? Il compte faire du mal à mes enfants ? Protège tous ceux que tu aimes. Attends, mon amour. Cette information change toute la donne. Si c'est Dionisio qui a prévu l'attaque, et qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait de ton père, n'est pas en sûreté. Bien sûr, tu as raison. Mais sois tranquille, mon amour. Je vais me charger de sa sécurité le temps qu'il restera dans cet hôpital. Parce que vous doutez de moi ? Mais comment tu l'as obtenu ? Je l'ai obtenu par mon mérite, ma petite maman. Je l'ai obtenu honnêtement. Jésus, Marie, Joseph, mais... Il est vice-président, oui ! Ah ! Tu ne me félicites pas, papa ? Mes félicitations, fiston. Quel succès ! Je vous assure que je vais en avoir beaucoup d'autres. Des succès. Et de l'avancement. Est-ce que vous m'avez entendu ? Ne vous en faites pas, il n'y a que des médecins, des infirmières à passer, tout est en ordre. Bon, c'est parfait.